Salut à tous. Donc je vous avais dit que je vous retrouverais devant le prochain donjon. Donc j'ai décidé de repartir de plus cher et cher. Voilà. Non, plus que les toilettes. J'avoue qu'elle était nulle. Mais voilà. Donc vous êtes habitué avec la dernière vidéo que j'ai faite, de toute façon. Les blagues étaient tellement pourries. Voilà. Et là. Tadam. Bah maintenant, il ne reste plus qu'à atteindre le donjon. C'est pas dur, il suffit de faire le tour. Enfin, c'est quand même un petit peu abusé, hein. Ils mettent la serrure. Enfin, je sais pas qui est-ce qui a construit ce truc, mais... L'ingénieur devait être un petit peu con. Parce que pour construire une serrure d'une porte sur un grillage de l'autre côté de la porte, faut être un peu... Alors... Voilà. Et nous voilà au donjon. Et si je me trompe pas... Ouais. Oups. Ah, vous avez vu ce coup de main? Ouais donc. Voilà, un coquillage. Et on va aller dans le donjon. Bon bah, comme tous les donjons du jeu, je me rappelle plus du tout comment ça marche. Ah. Merde, je sais plus comment on fait. Je sais pas si vous avez compris, hein, ce truc nous éloigne de la porte. Merde, merde, merde. On devait trouver. Bon, merde. Je vous dis, je sais plus jouer, hein, donc... Bon, alors là, je suppose qu'il faut envoyer un pot là. Ouais. Non, d'ailleurs, ce genre d'énigme, il est parmi dans Oracle of Ages, Oracle of Stones. Donc oui, je connais pas du tout le donjon. Je vous dis, hein, j'ai déjà joué au jeu, mais... Voilà. Bon, je sais plus. Ah oui, il aura jamais vu ce que je fais dans ce cas. La route qui s'est prise. Ah bon? Ah merde, y'a l'autre. Ah salope. Alors là vous voyez que le donjon est encore bien son nom. Ah mais le problème c'est qu'il y a l'autre sauveur là, reviens ici toi. Ah. Thank you.
c'est bien ça. Ah bah voilà, mais c'est pas possible. C'était bien avec le bouclier, putain. Sauf que j'avançais pas en même temps, en fait. Il va falloir m'apprendre à jouer, hein, parce que... Là, il y a les fans de Zelda qui doivent se dire, mais... Putain, mais pourquoi il a fait ces vidéos, ce con? Il joue vraiment comme une fille. Donc, je joue la corde. Je joue très mal. Donc... On va faire au feeling. Moi, je dis que c'est par là. Pas le nombre de clés dans le donjon. Je trouve sympa ces nouveaux ennemis. Hein. Là, je sens que je vais bientôt crever. Je sais pas pourquoi. Je le sens mal. C'est-à-dire que ce Zelda est beaucoup plus dur hein, que. J'ai utilisé Seasons. Enfin, ça, je vous l'avais déjà dit. Mais... Enfin, ici, il faut que je me rappelle de cet endroit. Pardon. Ah là, je me fous de ma propre gueule parce que c'était énorme. Ah, c'est excellent. Hein. Alors là, c'est le Delnixisme.
de haut niveau. Oh mais putain. Oh là là, qu'est-ce que je fais. C'est grave. Vous allez voir là, c'est pas dur, et claque. Je... Non mais là c'était trop. C'était vraiment con. Hein. C'est à la fois très con et excellent quoi. Ah merde, ça a inverti tout là. Merde. Parce qu'en fait moi je voulais... Attendez, il est où le truc déjà? Voilà. Ah, le bug de chouette. Enfin, le bug de pierre pour le chouette quoi. Excellent quand on est une boss. Bon, je fais à tâtons, hein, enfin, vous avez remarqué. Mais bon. Du moment que j'avance pas trop lentement, ça devrait aller. Bon, si je fais vraiment de la merde, de toute façon, je recommence la vidéo. Donc, je m'inquiète pas, ça devrait aller. Pas être trop pourri normalement. Je précise normalement. Hein. Je crois que je l'avais pas vu, quoi. Ah, y'aura pas une fée là, je sais pas. Non, il me faudra une fée là. Bon. Cette fois, je devrais y arriver. Vous allez voir, c'est simple en fait. Voilà, celui qui avale les trucs. Les bombes. C'est tout. On fait ça plusieurs fois, au bout d'un moment il s'en va. Merde. Bon, seule difficulté entre guillemets, hein, parce que c'est pas dur du tout. Poser les bombes au bon endroit, au bon moment. Donc pas se faire toucher. Et... Voilà. Aussi simple que ça. On obtient les bottes de Pégase. Voilà, on peut les équiper. Je vais voir à quoi elles servent. Efficace. Ouais, vous voyez, ça part une flèche, donc c'est pas donné. Je vais essayer de faire le donjon. Pas une seule vidéo. Ah, ça servait à ça, ok. Ouais, c'était pas prévu celui-là. Et là, vous allez voir que ça fonctionne un peu comme les graines de Pégase. Vous allez regarder mes précédentes vidéos de... Voilà. On obtient la clé du boss. Merde, à chaque fois je me trompe. Ouais, bon, je devrais pas être loin de la chambre du boss. Enfin, l'antre du boss, parce que c'est pas trop une chambre. Hein. Dégage. Dégage. Voilà, c'est un pari là. Oh, wow.
Ça rappelle un peu le jeu de la bombe là, on doit passer un truc à la hausse pour manquer. Oh. Voilà. Un boussole qui ne sert plus à rien, on a tous les coffres. Oui bon, tu vas pas nous résumer tout le truc à chaque fois. Si je me trompe pas, c'est bien ici qu'il y avait un truc. Pour plus de sûreté, on va le faire à travers le... Ah. Donc il nous manque un coffre. On va s'empresser de récupérer. Les deux d'un coup, ça ira plus vite. Voilà. Et il va nous falloir quelques clés avant d'atteindre le boss. J'en ai 4. Je pense que... Ouais, non, pas sûr. 2... 3... Alors là, je vous avoue que... Oula, quoi. On a de la vulgarité même ça. Vous voyez, ils sont beaucoup plus simples à battre. Je me souviens même plus du boss hein. Je me souviens des objets et tout, mais pas des... Mais il manque un coffre du coup. Bah écoute. C'est pas grave hein. Voilà. Ah oui, je me rappelle. Alors là, il faut frapper en plein milieu. On peut le dire. Et l'instrument. Oh. Ouh, cloche des algues. Bon, toujours la balle du poisson rêve en musique. Mais on dirait pas que c'est la balle du poisson rêve. En fait, vous verrez qu'à la fin du jeu, tous les instruments jouent d'un coup et ça fait bien la balle du poisson rêve. Voilà. Donc quand même, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que ce coffre que j'ai pas récupéré.
Ah bah oui. Je sais ce que c'est. C'est le coffre là où il y avait le squelette et les deux... Mais qu'est-ce que je fais à chaque fois? Mais j'ai un réflexe, dès que j'ai un pot dans la main, je jette. Pas en vrai, hein, mais... Donc, voilà. En plus, ça sert à rien que je vous montre ça, hein, c'est pour vous montrer que... Oula, ouais, ça s'enchaîne. Voilà, c'est juste pour vous montrer tous les coffres. Hein. C'est pas un coffre indispensable, à mon avis, il doit avoir des rubis, du genre. Ouais, voilà. Bon. On va dire que c'est pas rien, hein. Quelle extase, ouais, comme tu dis. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Donc, bah, j'ai un petit peu fait ça à l'arrache, complètement même. Bah, on va se retrouver à la prochaine vidéo pour la suite. Oui, je sais, c'est... Je m'en... précise ce que je dis. Enfin, voilà, quoi. Je vous dis, j'ai fait le jeu il y a des années, et puis... ça doit faire environ 6 ans. Je sais plus. Enfin, je sais... Enfin, je peux vous raconter ma vie, mais... Ça fait... Ouais, au moins 6 ans. Bon, ben, enfin, je l'ai refait après, mais bon, pas en entier. Et voilà. Donc, ben, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et manger des Mr. Freeze, bien sûr. Ou des... Enfin, ce que vous voulez, ensemble. Allez, salut.